Salut à tous, c'est Soukhoï et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2018 et je vais démarrer justement cette nouvelle année avec un épisode First Contact sur Seven, The Days Long Gone, qui est sorti en décembre, que j'ai lancé il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y avait pas mal de bugs apparemment à sa sortie, donc j'attendais que des patchs soit ajouté, il y en a eu pas mal. C'est vrai que le jeu est désormais plus stable. Il y a des petits problèmes parfois, notamment des PNJ qui volent ou quelques crashs de temps en temps. Mais c'est désormais tout à fait jouable. Alors voici le héros hein, que j'incarne. C'est un jeu à la fois de rôle, mais également d'action, d'infiltration. Il y a beaucoup d'aspirations et on est dans un monde un petit peu fantaisiste, mais à la fois science-fiction. Je suis sur une île, l'île de Pei, en tant que prisonnier. Voilà. J'ai été amené ici. Avec différents secteurs, vous voyez. Pour moi, je suis en secteur 1, début du jeu. Au fur et à mesure, on peut accéder à d'autres secteurs. C'est une sorte de monde ouvert. Il faut des visas pour ça. Des visas qu'on absorbe à travers des pilules. Donc, qui se mélangent à votre ADN, quelque chose d'un peu bizarre comme ça. Donc, difficile de passer les portiques si ce n'est pas le cas. Vous prenez une grosse décharge électrique. En revanche, on peut en fait accéder au secteur par d'autres manières hein, que celles légales. Voilà, voici mon personnage. Donc, il y a pas mal en plus d'objets ou de consommables qui permettent de personnaliser un petit peu en fonction de notre style de jeu. Donc là, j'ajoute quand même quelques objets qui peuvent être utiles, comme des grenades ou autres. C'est un jeu d'action, comme je le précisais. Même si il faut parfois être prudent. Alors, on va tenter une mission secondaire, histoire de pas vous spoiler. Et celle-ci, à savoir voler une cargaison de visas dans un entrepôt, bien sûr, auquel je n'ai pas accès normalement. Tac, dès qu'on sélectionne ça, on voit une flèche qui apparaît, une flèche bleue sur la mini-map en bas à droite et plus précisément sur la carte. On voit où ça se trouve. Alors, avant ça, j'ai repéré cette maison. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est gardée. En plus, je vois un keep-out ici. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Lui, vraisemblablement, il la garde. On peut lui parler, il n'a rien à me dire. Souvent, quand on trouve des maisons comme ça, en plus, vraiment qui montrent une forme d'hostilité avec des panneaux, c'est qu'il y a peut-être une bonne opportunité. Voilà. Attention, là, j'ai failli me faire prendre. La porte est fermée. Alors, je pourrais la débloquer avec un lockpick. Je vais pas faire ça tout de suite. J'aimerais bien que notre ami bouge. Alors, j'en profite pour vous présenter un mode, ce qu'on appelle le Sense Mode, qui passe tout au ralenti, qui nous permet de voir les points d'interaction intéressants. Là, il n'y a rien de particulier. On peut voir également les zones dans lesquelles on peut looter. J'ai fait une découverte, vraisemblablement. Je sais pas quoi. Hop, je trouve des choses intéressantes en passant au-dessus des maisons. Ok. Bon, on va peut-être tenter quand même de crocheter cette serrure. Alors, il y a des mini-jeux, comme celui-ci. Là, ça arrête complètement le temps, donc on a tout notre temps. Ça, c'est un petit peu bizarre, mais. Il suffit d'entendre un déclic, en fait, c'est pas toujours évident. Ah. Je suis concentré sur la vidéo en plus, alors. Ça y est, j'ai trouvé le point clé. Hop, ça permet d'ouvrir la porte. Alors tout de suite, je me mets accroupi, vous voyez. Ça évite de faire du bruit. Parce que le bruit, c'est très très important dans le jeu. Et d'ailleurs, j'entends d'une certaine manière le personnage à côté, puisqu'il est en blanc. Donc dans cette maison, il y a des choses à voler, effectivement. Voilà, je peux voler ici. En revanche, il n'y a rien de vraiment intéressant. Il y a un petit coffre à côté qui, lui, vous voyez, est fermé. Oula, il rentre dans la maison. Donc là, surtout, on ne va pas bouger. On peut également faire avancer le temps de cette manière-là. Voilà. C'est utile dans ces situations, mais pas que. Puisqu'en fait, ça permet aussi de faire passer le jeu avec le cycle jour-nuit. Et la nuit, c'est souvent bien pour voler. Hop, j'ai encore trouvé le point névralgique, impeccable. Le coffre va donc s'ouvrir.
Ah, l'orite, c'est un peu la monnaie du jeu, donc ça, c'est intéressant. Il y a une barre qui progresse, là, on est en temps réel. Il nous faut du temps pour voler des choses, en fait. Je trouve une lance. Et voilà, on est bien. Hop, je m'en vais par la fenêtre, je saute. Hop, et je me remets debout parce que je suis un peu suspect comme ça. Alors attention, en revanche, je suis en surpoids. Vous voyez, il y a une petite icône qui est apparue à gauche, rouge. Je peux transporter 85 kilos, ce qui est déjà quand même pas mal. Ah, le mieux, c'est peut-être d'aller voir un marchand. Il y en a de nombreux pour lui revendre des saloperies. Voilà. Alors, il a de l'argent, plus 24 ori. Donc, ce qu'il faut, c'est que je perde au moins 2 kilos et demi. C'est beaucoup quand même. Tout ça, c'est équipé vraisemblablement. Petit peu embêtant, ça. J'ai trouvé donc cette lance qui est pas mal. Qui a peut-être. Non, pas remplacé l'épée. L'avantage des lances, c'est qu'on peut engager l'adversaire à une certaine distance. C'est pas non plus génial. Alors en fait, peut-être que. Voilà, on va quitter le marchand. Ça, c'est pas toujours bien fait. Peut-être que finalement. Voilà. Donc en fait, ces gants, je peux les vendre sans problème. Ceux-là, non, parce qu'on va l'utiliser pour se déguiser ensuite. Je vais donc remplacer ma hache par une lance. Voilà. Sinon, je ne peux pas vendre la hache au marchand. Impeccable. Donc, ça doit être assez lourd en plus. Ouais, 6 kilos. Boum. Impeccable. Donc, soit on peut faire un échange avec autre chose qui nous intéresse. Soit, dans ce cas-là, il est capable de me payer 15 orig. Donc, on est bien. Voilà. J'ai récupéré de l'argent. Ça peut servir, par exemple, aussi pour acheter des visas. Hein, donc, c'est utile. Impeccable. Voilà. Donc, ça, c'était une mini-introduction. Maintenant, on va tenter quelque chose d'un peu plus sérieux. J'ai pris une maison au hasard, mais vous voyez, l'exploration est quand même intéressante dans le jeu. Elle n'est pas toujours maîtrisée. Par exemple, j'ai trouvé des espèces de skills, mais en fait, je ne peux pas les installer pour le moment. C'est sans doute dans la quête principale plus tard. Donc ça, en termes de design, c'est un peu curieux d'avoir accès à des zones et à des objets qu'on ne peut pas utiliser. C'est un peu frustrant, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'explications dans le jeu, hein. Ils ont quand même ajouté un petit tutoriel à droite ici, parce que toutes ces espèces d'aides ne s'activent pas vraiment automatiquement dans le jeu. Et c'est conseillé de les lire parce qu'on apprend plein de choses. Donc, je vous rappelle qu'on veut forcer un entrepôt qui va être très bien gardé. Ça se passe ici, derrière ces barbelés électriques. Donc ça peut être compliqué. On va essayer d'être intelligent et on va se déguiser. Il se trouve que j'ai assassiné un de ces soldats, qui sont en fait les gardes de l'île. Et donc si on utilise absolument tous les objets de cette classe, de ce type de personnage, donc vraiment il faut que tout soit parfait, eh bien on sera entièrement déguisé. Voilà. Et là, vous voyez d'ailleurs, en haut à gauche, deux petites icônes sont apparues. Alors la première, en fait, indique un masque à gaz. Ça, c'est lié au type d'équipement que j'ai au niveau de la tête. Voilà, il est un peu nerveux, lui. Et l'autre, par contre, à droite, avec un petit chapeau type haute forme, ça veut dire que je suis entièrement déguisé. Ça clignote. A priori, c'est-à-dire que ça se passe pas trop mal. Vous voyez, d'ailleurs, je suis face à un soldat. Et quand on regarde en bas à droite, il y a un petit personnage avec une sorte de sens interdit. Ça veut dire que je suis dans une zone privée interdite aux civils. Et comme vous pouvez le constater, il ne m'a pas encore attaqué. Alors attention quand même, sa jauge se remplit. Hein, ça c'est simplement pour représenter une forme de doute quand il est à proximité de moi. Si j'ai des comportements étranges, il peut également être alerté. Voilà. Mais sinon, je peux quand même me déplacer assez tranquillement. Alors attention, ça c'est des soldats un petit peu plus mouse costaud. Voici l'entrepôt. Je sais pas trop où est la cargaison. Là il y a une caméra qui protège une cargaison intéressante. Là c'est le même cas ici. On peut activer les caméras d'ailleurs avec des boîtiers électriques, c'est l'espèce de fil vert. On va essayer de faire ça. Je vais
explorer. En priori, je vais pivoter la caméra parce que sinon on voit pas. Ouais, il y a un boîtier, je pense, en haut à droite. On va y aller. Alors, je vais essayer d'être discret, même si, justement, en étant accroupi, peut-être que je peux éveiller aussi des soupçons. Hein, c'est pas banal, hein, un garde qui est accroupi. Alors, lui, je le vois, je peux afficher son champ de vision. Intéressant, et pour. Oh là! Vous voyez, un autre garde. Pas évident, hein, dans ces moments-là. Surtout que les combats, je suis pas très bon. Oh, lui, il a des gros doutes, lui. Très difficile là. Parce que si je suis debout, je vais plus vite. Je vais en profiter pour utiliser compétence flash en deuxième compétence si besoin. Et lui, il m'a entendu. J'ai l'impression qu'il garde. Ah non, là, il est sorti là. On va tenter. Ouais. Hop. Alors. Oula, un garde vient de rentrer, mais pendant la phase de piratage, il ne sera pas capable de réagir. Ah si, il peut réagir, ça c'est très embêtant. Là, son cercle est presque entier, quand ça arrive à fond, il va m'attaquer et tous les autres gardes vont être alertés. Donc on veut vraiment pas ça. Incroyable, il est super nerveux, hein. Il fait des allers-retours là. Je sais pas pourquoi. Allez, on va retenter. Donc là, il suffit de pas tomber sur les 0 et les 1. C'est pas forcément difficile. C'est même relativement simple en vrai. Il suffit de bien prévoir ce qui se passe. Voilà, par contre, il est rentré pile à ce moment-là. Et vous voyez, la caméra s'est désactivée. Dans la zone qui m'intéresse, que j'ai envie d'explorer ce coffre. Oula. Oula, oula. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Alors, on va regarder. Je vois pas d'autres. Pas d'autres gardes dans la zone. Impeccable. Visa container. C'est exactement ça. Hop, je le récupère. Ça va mettre à jour mon journal. Je dois revenir voir un mec qui s'appelle Ramus, qui est une sorte de contrebandier. Je l'ai rencontré, il me donne des missions, donc je le fais. Mais il faut que je sorte vivant de cet entrepôt. Ça peut être technique. Qu'est-ce qui m'attend par là? Un autre garde. Lui, il est dangereux. J'aime pas ces gardes-là. Ils sont vraiment violents. Voilà. Là, j'ai utilisé la compétence, vous voyez, flash. Ça utilise de l'énergie. Mais ça m'a permis de me soustraire à la vue de. Tiens, style là, peut-être que il y a des choses aussi dans ces caisses. Vous voyez, je pourrais récupérer des trucs. Il y a beaucoup de systèmes de craft en fait dans le jeu, qui ne sont pas clairs au départ, accessoirement. Là, on est comment là? Oh, on est pas mal. J'ai bien envie de crocheter cette caisse. Généralement, je veux toujours en faire un peu plus. Et ça finit mal. Alors, j'aimerais crocheter cette caisse sans être vu par la caméra. Est-ce qu'on peut faire ça, mes amis? Ah, j'ai pas le niveau pour utiliser mes passe-partout. Voilà. Alors, maintenant, il faut ressortir. Ça devrait bien se passer. Voilà, il y a quand même de l'espace. Hop. Ah, il y a lui en haut là qui peut nous embêter. Alors, je peux vous montrer est-ce qu'on peut l'assassiner ou pas. Voilà, boum, mais ça suffit pas.
Parce qu'il a quand même plus de points de vie que ça. Impeccable. Donc ça, je peux le looter, vous voyez. Intéressant de récupérer tout ça, ou pas forcément d'ailleurs. Voyez, ça c'est une carte. Je sais pas dans quoi ça s'utilise. Tout ça, on connaît, puisque j'ai déjà son équipement. Je peux prendre ça en plus. Voyez, hop. Je sors d'ici. Tac. Je suis capable de faire des jolis sauts. Et je retrouve ma tenue de ville. Impeccable. Donc, vous voyez, les menus sont pas toujours très pratiques en revanche. Hop, je vais prendre ces couteaux, c'est quand même un peu plus discret. Ouais, on remarque qu'il y a une lance sur le dos, je sais pas si c'est très. Enfin, la lance, elle est pas sur le dos, vous voyez. On voit mes deux couteaux sur le côté. Impeccable, j'ai fait un assassinat, j'ai récupéré les visas. On peut dire que pour un maître voleur, le travail est rempli. C'est sympa, c'est que parfois on se laisse aller simplement à faire des petites choses, un tout petit peu hors mission d'ailleurs. Je vais rapporter à mon chef, je crois que c'est pas très loin. Ouais, c'est le point d'exclamation, moi je suis espèce de petite flèche ici. Hop, donc là l'animation est un peu curieuse, on a l'impression que je vole, mais en fait non. Tiens, encore un garde. Donc le précédent, j'ai eu peur, mais j'ai quand même pu l'assassiner. Quand on arrive par derrière, vous voyez, j'ai fait beaucoup de dégâts sur le moment. Mais c'était pas suffisant pour le tuer quand même, hein, donc faut être rapide. Et me revoici à faire mon rapport auprès du patron. Donc il y a quand même pas mal de dialogues d'ailleurs. C'est un marchand, en l'occurrence, Ramus. Il y a différentes factions dans le jeu, évidemment, hein, en fonction de celle qu'on rejoint, on va devenir ennemi de l'autre, etc. Donc je lui annonce que le travail est rempli, c'est un succès. Et du coup, il me donne quand même une belle récompense. Ah ben, il me donne un, tiens, une pilule, justement. Et tout de suite, il me donne un autre travail. Ouais, ça m'étonne pas de sa part. Et là, vous voyez, il veut que j'aille subtiliser des documents chez ce qu'ils appellent les Biomancers. Donc c'est une des factions qui soutient l'empereur. Dans leur chapelle. Donc ça peut m'attirer des ennuis. Alors, j'ai reçu. Ouais, visa pile zone 2. Impeccable. J'ai aussi reçu, tiens, un schéma pour faire une armure. Intéressant. Hop. Donc ça veut dire normalement que je peux rentrer dans la zone 2. Ce qui n'aurait pas été le cas auparavant. Voilà, je vais sauter. Normalement, faut pas trop faire ça, hein. Ça peut attirer l'attention des gardes. Mais dans ce cas, très très précis, ça passe. Tiens, voici l'entrée de la zone 2. J'aurais pu également acheter des visas. Hein. Mais là, on me dit que c'est bon, j'ai déjà le visa de la zone. Et voyez, hop, je passe à travers comme dans du beurre, impeccable. Voici. Une nouvelle zone à explorer. Quand on regarde désormais la carte, vous voyez, la zone 2 est devenue claire. Je n'ai plus ces espèces de petites hachures pour me dire que eh bien, je peux me balader tranquillement, tant qu'évidemment, je ne fais rien de suspect. Voilà, c'était un petit aperçu de ce que propose Seven de Days Long Gone. J'ai pas abordé toute la partie, justement, craft ou les skills, ça, parce que je ne sais pas encore comment ça marche. J'ai récupéré des petits chipsets, mais ils apparaissent pas ici, donc ouais. Quelques moments dans la quête principale, je pense qu'on m'aidera à les installer. C'est pas mal du tout. Il y a quelques petits soucis justement. Je dis pas que c'est important d'être guidé, hein. Je trouve ça intéressant justement d'avoir une vraie liberté dans les jeux et pas forcément nous prendre par la main. Mais tantôt dans le jeu, on a quand même l'impression que bah, si on nous expliquait deux ou trois petites choses en plus. Ce serait plus simple. Là, il y a des bêtes, là, on va rester très tranquille. Donc ça, c'est un tout petit défaut. Quelques petits bugs, ça et là, rien de dramatique. Mais sinon, c'est quand même un monde assez original. Et surtout, on a toujours envie d'en voir plus, d'explorer de nouvelles choses.
Et ça, je pense que c'est très 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 positif. Techniquement, il y a des petits problèmes, c'est des chutes de framerate. Alors que j'ai quand même une config assez, assez sérieuse pour ce type de jeu. Donc voilà, il y a des petites choses techniques qui sont corrigées au fur et à mesure avec les développeurs qui suivent bien le jeu. Donc c'est déjà recommandable en l'état. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. La zone de commentaires est faite pour vous. Je vous remercie une fois plus de m'avoir suivi sur la chaîne Left 2 Coin. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est votre bonne résolution 2018. On clique, on s'abonne, on suit un petit peu la chaîne. Un peu moins de contenu qu'à une époque. On fait ce qu'on peut tous, les intervenants sur la chaîne, pour produire des vidéos. Malheureusement, on a moins de temps dû à nos vies privées respectives. Mais on est toujours là, on sort toujours des first contacts et des let's play. Voilà, merci de votre fidélité et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao à tous.